Durant la période du communisme, nous avions un rêve commun, le monde derrière le mur, l'Occident. C'était un rêve de démocratie, de relations humaines normales, de liberté et d'une vie beaucoup plus confortable que l'existence socialiste. Le régime totalitaire était imposé par l'Union soviétique aux pays d'Europe de l'Est et une partie du peuple rêvait d'Europe occidentale. C'était une élite spirituelle, de dissidents doués d'une sensibilité aux couleurs et aux tonalités que les dirigeants ne pouvaient percevoir. Ces rêveurs refusaient de devenir les complices d'une gigantesque machine politico-judiciaire, refusaient d'accepter la propagande communiste et les manipulations politico-médiatiques. En 1989, le mur de Berlin s'écroule et le communisme avec lui. La liesse des masses est sans bornes et l'ivresse bouleversante. Le rêve le plus inattendu pour des millions de Tchécoslovaques, Polonais, de Hongrois, de Roumains, de Bulgares, devient une réalité. Puis, au fil des années, les pays de l'Est et les pays de l'Ouest se sont rejoints et se sont réunis dans les institutions de Bruxelles sous la bannière de l'Union européenne. Avec l'élargissement de l'Europe des 28 effectué dans la précipitation, les fissures de l'espace Schengen, de la Constitution européenne et de la monnaie unique s'agrandissent. La crise économique, la crise de l'euro, la crise grecque, la crise des banques, l'augmentation du chômage, l'appauvrissement des peuples, les attentats, le terrorisme islamique, la migration de masse puis le Brexit suscitent des divisions au sein de l'Europe. Notre enquête commence avec le dernier mauvais élève de l'Union européenne, la Bulgarie, acceptée ainsi que la Roumanie en janvier 2007 avec certaines clauses de surveillance. Quel est le bilan aujourd'hui après l'entrée dans l'Union européenne? La corruption, la mafia, le déclin de la société, les inégalités sociales ne cessent d'augmenter et les généreuses subventions, cette aide que nous donne Bruxelles, ne correspondent pas du tout à ce que l'on nous a présenté officiellement. On s'est retrouvé avec la démagogie de l'époque communiste. En fait, les généreuses subventions européennes ne sont qu'une rançon à payer aux oligarques locaux et à leurs partis politiques pour obtenir leur loyauté et leur conformisme politiquement correct. C'est ça la vérité. Le principal défaut de l'Union européenne, qui malheureusement ne cesse de croître, c'est la cupidité. Ce défaut a pris à l'Est le pire aspect du capitalisme, le pillage de l'économie bulgare par les héritiers du Parti communiste, soutenu par le silence complice et coupable des pays occidentaux. Et ça, c'est extrêmement brutal. Dans le rapport annuel de la Commission européenne, la Bulgarie est le pays le plus pauvre et sa population la plus malheureuse. Pourtant, la Bulgarie est sur le point de battre les records de la Russie par l'accroissement vertigineux du nombre de ses millionnaires par habitant, de ses voitures de luxe et de ses demeures achetées dans les quartiers chics de l'Occident. Qui sont devenus riches et qui se sont appauvris ? Comme fonctionnaire au ministère des Transports, j'ai découvert un trafic de vente de permis de conduire, selon moi protégé par le ministre, l'adjoint au ministre et le responsable du département qui contrôle tout ce qui concerne les transports routiers en Bulgarie. Les fonctionnaires au ministère des Transports étaient menacés par des moyens mafieux et forcés à vendre les permis de conduire à des personnes pratiquement analphabètes, essentiellement des Roms, provenant de différents pays. On nous disait que l'argent de ce réseau de corruption était exigé par les hautes sphères du pouvoir en place.
La Bulgarie est peut-être le seul pays de l'Union européenne où les banquiers corrompus peuvent dépenser l'argent des clients, sachant qu'ils ne seront pas poursuivis. Il y a plus de 10 ans, en tant que député, j'ai fait une proposition de loi pour sanctionner cette pratique criminelle. Malheureusement, cette proposition a été rejetée et à ce jour, elle n'est toujours pas votée. Il y a quelques années, la troisième plus grande banque de la Bulgarie a fait faillite. Plus de 2 milliards d'euros ont été détournés et les responsables sont toujours en liberté. Telles sont les conséquences pour ceux qui osent enquêter sur les vols et les affaires de corruption généralisée. J'ai été menacé et persécuté sans cesse. On laissait des mots sur ma voiture comme « on va violer ta femme »,« on va kidnapper tes enfants ». J'avais 2 enfants de 2 et 4 ans à l'époque. Je n'avais pas peur pour moi-même, mais pour mes enfants. La perspective n'est pas bonne quant aux droits de l'homme en Bulgarie. Les tribunaux locaux, pour des raisons de manque de préparation, de corruption, de pression exercée par le pouvoir politique, ne sont pas prêts à assurer une défense normale et efficace des droits de l'homme. La Cour des droits de l'homme à Strasbourg, sur laquelle nous comptions en tant qu'alternative européenne, et qui était un espoir pour ceux auxquels la justice n'était pas rendue, a pratiquement fait faillite. C'est une faillite institutionnelle, la faillite morale d'une institution du Conseil européen en laquelle croyaient 600 millions de personnes. En effet, le Conseil européen a été littéralement inondé par des centaines de milliers de dossiers provenant principalement des pays de l'Est. Et au lieu de focaliser ses ressources et son énergie sur les États récidivistes qui violaient les droits de l'homme le plus massivement et systématiquement, la Cour a décidé, pour survivre en tant qu'institution, de réduire le nombre de dépositaires de plaintes et des plaintes elles-mêmes. Il y a une certaine ironie à penser que la Bulgarie, nommée Absurdistan par ses habitants, a présidé l'Union européenne au premier semestre 2018 pour gérer les affaires européennes. Nous avons vécu l'idéologie communiste qui nous disait « il n'y a plus de nations, il n'y a plus de pays, on va vers une communauté internationale des travailleurs dirigée par le parti, etc. » La mondialisation, c'est la même chose. L'internationalisme qui est en marche aujourd'hui n'est pas imposé par Moscou, c'est comme je l'appelle un internationalisme corporatif qui détruit les pays, qui détruit leur culture et leurs particularités. Les jeunes diplômés, les entrepreneurs doués, le capital le plus précieux de chaque nation, désenchantés et se sentant trahis par les élites politiques, économiques, judiciaires et médiatiques, quittent leur pays pour s'expatrier dans le vaste monde. Seront-ils remplacés méthodiquement, en raison de la politique européenne, par une nouvelle population qui a d'autres mentalités, d'autres mœurs, d'autres cultures et d'autres religions ? L'immigration musulmane est une source de grande inquiétude pour les peuples des Balkans, parce que ces pays d'Europe du Sud-Est ont été durant des siècles le tampon pour arrêter sa pénétration à l'Ouest. Alors il faut comprendre que ces peuples sont très sensibles au sujet de l'immigration. La mémoire du combat de leurs ancêtres contre le joug ottoman coule dans leurs veines. La Bulgarie est le premier pays sur la route des migrants vers l'Europe occidentale. Mon université de journalisme se trouvait à côté du camp de réfugiés. C'est là que j'ai rencontré Mohamed Dalil, qui s'est avéré par la suite être un spécialiste de cocktail Molotov, connu comme étant le terroriste de Ansbach, qui s'est fait exploser en blessant 15 personnes. C'était un terroriste qui avait fait le serment de fidélité à Daesh. Il a non seulement réussi à me tromper, à tromper aussi mon équipe, les autorités bulgares et tout le monde autour de lui.
Mohamed est comme beaucoup d'autres terroristes qui se présentent comme des migrants qui fuient une guerre cruelle. En réalité, ce sont eux-mêmes qui apportent la douleur et la souffrance dans le monde. Elena Yontcheva est journaliste, documentaliste, députée à la 44e Assemblée nationale bulgare. Dans un de ses documentaires, elle montre comment on peut franchir sans difficulté les murs érigés entre la Turquie et la Bulgarie. À travers ses investigations, on comprend que des corrompus représentant le pouvoir bulgare aident les migrants en route pour l'Europe occidentale à passer les murs avec la Turquie. Il est facile de franchir les barrières érigées aux frontières. Grâce à des échelles, on découpe le grillage et en quelques minutes, peut passer un groupe de 30 à 40 personnes. C'est une scène dont j'ai été témoin. Le but des murs grillagés était de retarder ceux qui voulaient passer la frontière de façon illicite. Mais en résultat de corruption, pour laquelle on a signalé auprès des institutions, cette barrière a commencé d'être construite inefficacement, effectuée avec des moyens financiers insuffisants, de sorte que les migrants peuvent franchir facilement. Je vais donner un exemple. Les barrières érigées entre la Grèce et la Turquie coûtent deux fois moins cher aux Grecs, mais leur efficacité est nettement supérieure. Le gouvernement dit qu'aucun immigré ne peut passer la frontière, or les pays voisins renvoient sans arrêt les immigrés qui ont pu franchir la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Cela prouve qu'il y a un flux d'immigrés clandestins qui franchissent la frontière turque pour se rendre en Europe occidentale en passant par la Bulgarie. Après la capitulation de Daesh, on s'attend à ce qu'environ 3000 terroristes reviennent en Europe. La route la plus connue pour le retour est le passage par la Turquie et la Bulgarie. L'Occident ne sous-estime-t-il pas le danger de l'immigration de masse et de l'islamisation qui guette l'Europe ? Il faut bien voir qu'au sud de nous se trouve l'Afrique, qui dans les 5 prochaines décennies aura 1 milliard d'habitants de plus par son taux de natalité très élevé. Et tous ces gens affamés qui viennent en Europe ne viennent pas là pour s'intégrer. C'est un cliché libéral inventé par le politiquement correct. Ils n'ont aucune envie de s'intégrer et regardent notre civilisation comme une civilisation qui doit être dépouillée. Toutes ces paroles sur les droits de l'homme, le multiculturalisme, sont interprétées par eux comme des paroles de faiblesse. Dans la conception de l'islam, le monde se divise en deux, le monde de la paix et le monde de la guerre, le Dar al-Islam et Dar al-Harb. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la guerre. C'est l'avant-garde qui vient s'installer. Ils disent « vos femmes sont nos femmes, votre richesse est notre richesse, votre vie est notre vie ». Par conséquent, il n'y aura aucun multiculturalisme et aucune intégration. L'Union européenne ne se fait-elle pas humilier par le pays frontalier, la Turquie ? Ne se place-t-elle pas volontairement dans la position du dîmi en acceptant de payer 6 milliards d'euros aux frais des contribuables des pays membres ? À mon avis, la Turquie ne remplit pas le rôle qu'elle a accepté de jouer. Et selon moi, l'Union européenne se laisse manipuler par la Turquie. L'Union européenne doit comprendre cette situation et ne doit pas se plier à ce chantage. Moi, dans tous mes ouvrages depuis 2000, j'avais écrit déjà des livres sur la Turquie et contre Erdogan depuis 2000. Aujourd'hui, qu'il s'est débarrassé de ses ennemis, qu'il a tous mis en prison, il montre sa vraie nature. C'est un sultan, c'est un calife. C'est le rival, finalement, de El-Baghdadi, le chef de Daesh. Sauf que lui, il est un politique institutionnel qui est élu démocratiquement. Mais l'objectif des frères musulmans, d'Erdogan, de Daesh, d'Al-Qaïda et des islamistes turcs ou des islamistes pakistanais plus ou moins respectables, qu'ils soient terroristes ou non, c'est le même objectif. C'est conquérir le reste du monde et imposer la charia et le califat à l'humanité. Et M. Erdogan, je dirais, est le sultan, le calife, aujourd'hui le plus puissant à l'intérieur du monde musulman. Ceci est très dangereux, car en fait, ce qu'il veut à terme, c'est la guerre civile en Europe entre les musulmans et les autochtones.
la recherche de réfugiés qui ont atteint les terres promises européennes, à Kavala, en Grèce, on nous a conseillé d'aller voir dans le plus proche camping. Les propriétaires des lieux, une famille orthodoxe, nous ont supplié de ne pas filmer par peur de vengeance des émigrés des camps officiels dans la région. Ils ont osé sauver et cacher plusieurs familles de chrétiens d'Irak qui continuent à être persécutés dans les camps de réfugiés, ici même en Grèce. Nous avons réussi à atteindre la Grèce parce que Jésus l'a décidé comme ça, pour notre bien. On nous a installés dans un camp où la majorité était musulmane. Et eux aussi, ils nous ont maltraités parce qu'on est des chrétiens arabes. Ils nous harcelaient en disant « Pourquoi tu portes cette croix? Pourquoi tu n'acceptes pas l'islam? Pourquoi tu ne renies pas ta religion ?» Nous avons la meilleure religion, nous sommes majoritaires, nous sommes éternels, et vous, vous irez en enfer. Il n'existe pas de grande différence entre la Bulgarie et la Roumanie. Toutes les deux sont considérées comme mauvais élèves de l'Union européenne. L'économie continue d'être dans les mains des oligarques, bien que la justice ait commencé à réagir ces derniers temps. Je m'attendais à avoir un peu plus de changements et quelque chose de plus radical. Même au niveau politique ou même dans la médecine, dans les universités, etc., la corruption, elle existe. C'est assez choquant pour moi de voir que ça persiste après autant de temps. Les gens qui ont une certaine ambition, ils vont chercher à partir et à plus ou moins fuir le pays. Il faut regarder la Roumanie où aujourd'hui la population elle a perdu quand même, je sais pas, peut-être 5 millions. Österreich hat jetzt historisch die À présent, l'Autriche a peut-être la dernière et seule chance historique d'arrêter le cours de l'histoire ou au moins de définir des orientations décisives et de jouer un rôle précurseur pour l'Allemagne. L'Autriche doit donc agir comme Orban en Hongrie, qui a réussi en 2015 à stopper une évolution encore plus catastrophique pour l'Europe, on pourrait dire même à sauver l'Europe. L'Autriche doit désormais rechercher une coopération avec les États du groupe de Visegrád, et c'est cela le point décisif. Il y a deux objectifs à poursuivre, qui sont en fin de compte essentiels pour la future évolution de l'Europe. D'une part, l'arrêt de l'immigration de masse, un arrêt total de l'immigration de masse, et d'autre part, la réémigration systématique. Le soutien des Autrichiens est très fort dans ce domaine, parce que c'est eux qui pâtissent de plus en plus les conséquences de l'immigration de masse. Il suffit de regarder les statistiques de la criminalité ou les articles de presse au sujet des crimes et des viols commis par des demandeurs d'asile. Le groupe de Visegrád trouve son origine historique dans une rencontre entre les rois de Bohême, de Hongrie et de Pologne en 1335 dans la ville hongroise de Visegrád. En 1991, les nouveaux dirigeants de Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie, dans le contexte de la chute de l'Union soviétique et de la fin de la guerre froide, décident de former le groupe de Visegrád afin de lancer le processus d'intégration européenne. De trois membres, le groupe passe à quatre lorsqu'en 1993, la Tchécoslovaquie se scinde en deux pays distincts, la République tchèque et la Slovaquie. En 2015, le groupe de Visegrád a élaboré une position commune à l'encontre de la politique de répartition des réfugiés par quota au sein de l'Union européenne. Ces quatre pays ont mis en œuvre une coopération politique et économique étroite afin d'arriver à parler d'une seule voix et de renforcer leur position commune parce qu'ils n'ont pas confiance dans le modèle occidental d'une société multiculturelle. Réunis à Budapest en mars 2018, les représentants des parlements du groupe de Visegrád, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Tchéquie,
ont confirmé leur intention de soutenir d'autres politiques pour l'Union européenne. En piste de réflexion, redonner un rôle accru aux parlements nationaux, défendre les valeurs européennes par nature chrétienne et promouvoir des politiques favorisant la natalité plutôt que l'immigration de masse voulue par Bruxelles, Paris et Berlin en réponse à la crise démographique. Les représentants du groupe de Visegrad prennent la défense d'une vraie alternative pour l'Europe. Le groupe de Visegrad, en réalité, est le témoin d'une cohérence régionale. C'est-à-dire que c'est une région qui a des valeurs communes, qui a des modes de vie très proches, des mentalités très proches, mais aussi une histoire, en particulier une histoire récente, commune. Notamment, la Deuxième Guerre mondiale et le communisme ont été vécus de façon assez similaire. Les traumatismes que ça a créés, mais aussi l'héritage positif et négatif qui en est ressorti, font que ces pays-là ont quelque chose de commun qui les relie et qui leur donne une même vision de ce qu'est ou ce que devrait être l'Europe. C'est pourquoi le groupe de Visegrad aujourd'hui est un groupe d'influence sous l'impulsion de Viktor Orban, sorte de Charles de Gaulle centre-européen, mais qui n'étant pas à la tête de la France, compose avec ce qui lui est donné, c'est-à-dire une sorte d'union dans l'Union, une union de pays à l'histoire et aux intérêts similaires, aux problématiques aussi similaires. Et il essaie de créer donc un bloc solide, cohérent, afin de peser sur la politique de l'Union européenne pour changer, sauver si possible l'Union européenne. Plusieurs personnalités politiques d'Europe de l'Ouest ont vivement critiqué la Hongrie et d'autres pays du V4 pour leur position critique sur la question migratoire, leur refus de prendre part au système de répartition des réfugiés par le mécanisme des quotas alors qu'ils reçoivent des aides européennes et devraient ainsi s'abstenir de toute doléance. Ez az álláspont, ennek nagyon rossz visszhangja van Magyarországon, és hát mondjuk Lengyelországban és a más visegrádi országokban nem meglepő módon. Ce discours est très mal reçu en Hongrie, en Pologne et dans les autres pays du V4 qui constatent qu'au prétexte qu'ils bénéficient d'aide, ils devraient ensuite se contenter d'observer et de ne pas intervenir dans les décisions prises, même dans celles concernant le mécanisme des quotas, dont la légitimité peut être remise en cause puisqu'elle procède d'un vote à la majorité des ministres de l'Intérieur et non du Conseil européen. Ez nem csak egyébként a magyar kormány mondta ki, hanem például a német uniós biztos Günther Oettinger is beszélt arról, hogy dacára adnak, ugye, hogy Magyarország is más. Ces critiques n'émanent pas seulement du gouvernement hongrois, mais aussi du commissaire européen Günther Oettinger. Selon lui, bien que la Hongrie et d'autres pays de l'Est reçoivent ces aides, une grande part de cet argent revient en bout de course dans l'industrie allemande. Ils penseront qu'il n'est pas utile de menacer ces pays en brandissant l'arme de la suppression des fonds d'aide, comme certains le font. Pragmatikus politikát folytat Oroszországgal szemben. Le gouvernement Orban mène une politique pragmatique vis-à-vis de la Russie. Seuls les pays critiques à l'égard de la Russie voient dans cette relation une relation d'amitié, voire plus, alors que la politique engagée vers la Russie est bien plutôt le fruit de considérations pragmatiques. Il s'agit en réalité d'une relation économique et commerciale et pas du tout idéologique. Il est par ailleurs à noter que l'opposition hongroise critique facilement la Russie et sa politique actuelle, alors que si elle était au pouvoir, elle se rendrait tôt ou tard compte qu'il est nécessaire d'entretenir une relation pragmatique avec les Russes. D'ailleurs, tant que la Hongrie restera engagée dans ses liens euro-atlantiques et que son alliance avec les États-Unis ne sera pas remise en cause, il lui est important d'avoir des rapports sains et équilibrés avec la sphère d'influence d'une autre grande puissance.
Amerikával, amellett azért fontos, hogy egy másik térségünkre befolyással bíró nagyhatalommal is Magyarország egy jó és kiegyensúlyozott viszonyban legyen. On cherche des nouvelles personnes. Et peut-être, culturellement, on essaye d'aller plus vers des gens qui nous ressemblent, vers des autres pays de l'Est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on pourrait déjà accueillir qui sont en train de venir chez nous et qu'en fait, on ne veut pas. L'Union européenne, effectivement, je pense que l'Union européenne, elle essaye de nous imposer quelque chose et ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faut faire un dialogue construit. Et il faut nous écouter, nous, les pays d'Europe centrale, les pays de Visegrad. Ex-premier ministre polonais, Beata Szydlo précise que son pays n'acceptera jamais que l'UE lui dicte des conditions. Nous disons clairement que la politique migratoire suivie jusqu'à présent par l'Union européenne n'a pas fait ses preuves et il faut en tirer des leçons. Les principaux reproches que l'Union européenne fait à la Pologne concernent bien entendu tout d'abord la question des immigrés, enfin je parle ici des demandeurs d'asile, donc des personnes qui sont arrivées illégalement en Grèce et en Italie, et que la Pologne, comme d'autres pays de la région, notamment la Hongrie et la Tchéquie, mais aussi la Slovaquie, refuse de prendre en charge. Alors pour quelles raisons? C'est parce qu'ils savent que la Commission prévoit que ça va devenir un mécanisme permanent. Donc c'est pas juste une question de ces 7000, mais surtout de ne pas se laisser imposer des politiques qui entament la souveraineté du pays. Les traités européens ne prévoient pas que ce soit l'Union européenne qui décide de quelle immigration on doit avoir besoin, dans quel pays, hein, c'est à chaque pays de décider pour lui. Alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, alors les atteintes à l'état de droit et à l'indépendance de la justice, en fait le PiS réalise une promesse de sa campagne électorale, les Polonais ont voté en bloc bien entendu, pas uniquement pour cette réforme de la justice. La Commission européenne voudrait en fait jouer le rôle de cour constitutionnelle d'un État membre, en l'occurrence la Pologne, et lui dire quelles sont les lois qui sont conformes, les lois polonaises qui sont conformes à la Constitution polonaise. Donc, en fait, le problème de fond, c'est que les politiques mises en œuvre d'abord par la Hongrie et puis par la Pologne, c'est des politiques qui vont un peu à contre-courant de la doxa dominante dans l'Union européenne. C'est-à-dire on retourne à des politiques étatistes. En fait, les Fidesz comme le PiS sont des socio-conservateurs, une politique nataliste active et une réindustrialisation, c'est un des axes majeurs. Et d'ailleurs avec un certain succès, puisque la Pologne a créé les deux tiers des nouveaux emplois dans l'industrie l'année dernière pour toute l'Union européenne. La révolte des pays du groupe de Visegrad, autrement dit Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, se comprend parfaitement dans la mesure où ces pays avaient avant été privés de leur souveraineté par l'Union soviétique, par le système soviétique, qui d'ailleurs parlait explicitement de souveraineté limitée. C'était ce qu'on appelait la doctrine Brejnev après l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, alors qu'ils ont recouvré leur souveraineté après la chute du mur de Berlin, ils se retrouvent confrontés à peu près les mêmes pratiques, mais cette fois-ci venant de Bruxelles. Alors on comprend évidemment que dans ces pays, il y a une levée de boucliers qui se traduit soit par l'arrivée au pouvoir du parti nationaliste en Pologne, soit par l'arrivée au pouvoir de M. Viktor Orban, qui fut l'un des grands dissidents contre le système soviétique, il faut quand même le souligner, ou que ce soit dans des changements qui sont peut-être moins significatifs, mais qui ne sont pas moins importants dans les autres pays.
On doit arrêter de parler de problèmes de l'immigration. On doit se préoccuper surtout de comment résoudre ces problèmes, comment réagir humainement. C'est ça la question principale. On doit obtenir un consensus là-dessus. On doit être solidaire et prêt à aider les autres. Si ce n'est pas le cas, on devrait exclure les pays de l'Europe qui ne veulent pas participer à ce processus. Notre voyage atteint le pays de nos rêves, la France, le pays des esprits qui étaient les plus éclairés, le pays de l'art de vivre, des droits de l'homme et de la démocratie. Alors, moi, je pense que le grand problème de la France aujourd'hui, c'est avant tout son appauvrissement. C'est le fait que les Français s'appauvrissent, qu'ils ont moins de perspectives qu'avant de pouvoir gagner de l'argent et d'avoir un niveau de vie correct. Et ça se manifeste par des choses très douloureuses sur le territoire français, et notamment la désertification des centres-villes, où on ferme tous les commerces les uns après les autres. Ça se manifeste par le fait que quand on va à l'hôpital aujourd'hui en France, on est moins bien accueilli qu'avant, par le fait que tout est devenu trop cher, le train, les taxis, les vêtements, les courses, les vacances. Et cet appauvrissement un peu généralisé, avec un taux de chômage très important et de plus en plus important, crée une ambiance dans le pays, crée un climat qui est devenu un climat dépressif. Et donc la France aujourd'hui est dépressive. Je pense qu'elle est assez suivie là-dedans par d'autres pays européens. Et ça prépare le terreau fertile pour les populismes de toutes sortes. Que devient le berceau qui a porté la liberté, l'égalité et la fraternité au sein de l'Europe ? Pour moi et mes amis, les Français étaient le symbole de la culture, de la mode, de la politesse, de l'élégance. Je suis à Paris pour la première fois et je suis choquée. Partout dans la ville, les immigrés venus d'Afrique et du Proche-Orient. Je ne comprends pas pourquoi les immigrés musulmans ne vont pas dans les pays riches du Golfe, qui sont de la même culture, même mœurs, même tradition. Je ne comprends pas pourquoi les Français acceptent tout cela. Je suis arrivée à l'âge de 20 ans. C'était un rêve pour moi de vivre en France. Alors à cette époque-là, je ne pouvais pas imaginer de vivre un jour mon rêve d'une manière très très différente et très loin de cette imagination de l'époque. De rentrer dans un café où je ne vais pas être la bienvenue, de donner la main à quelqu'un qui va me la refuser puisque je suis une femme. Tout ça, je ne pouvais pas l'imaginer à cette époque-là. Jacques Sapir est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, économiste spécialiste de questions européennes et de la Russie. Il est l'auteur de nombreux livres, entre autres « L'euro contre la France »,« L'euro contre l'Europe ». Alors, il y a aujourd'hui trois problèmes qui sont évidents. Le premier problème, c'est le problème de la souveraineté du Parlement et de la souveraineté du gouvernement français. Le gouvernement français n'est plus souverain puisqu'il accepte toute une série de réglementations de Bruxelles et il y a une véritable confusion entre la délégation de souveraineté et la cession de souveraineté. Mais il y a d'autres problèmes qui viennent. Il y a le problème de la concentration des grands médias en France, ce qui crée aujourd'hui une situation qui n'est à l'évidence plus démocratique dans le débat politique en France. Et on peut dire que, d'une certaine manière, une partie de la presse a adopté des méthodes totalitaires. Après, il y a un troisième problème, qui est d'ailleurs le produit de l'éclatement des inégalités dans la société française. Et cet éclatement des inégalités, par son existence même, met en péril la démocratie en France. Jean-Yves Le Gallou est un ex-député européen, intellectuel, essayiste, fondateur de Polémia, qui est un cercle de réflexion essentiellement actif sur Internet, notamment dans le domaine de la réinformation.
Il est l'auteur de plusieurs livres, entre autres « Immigration, la catastrophe, que faire ?»,« La tyrannie médiatique, les assassins de l'information ». La propagande officielle nous dit que l'immigration est une chance pour les pays d'Europe. La réalité, c'est que c'est une catastrophe pour l'emploi, une catastrophe pour les salaires, mais surtout une catastrophe pour la sécurité, bien sûr, mais surtout une catastrophe pour l'identité européenne, parce que les gens qui arrivent ne s'assimilent pas aux valeurs européennes, aux traditions européennes, mais cherchent à imposer leur propre mode de vie qui nous est profondément différent. Hervé Juvin est essayiste et économiste. Président de l'Observatoire Eurogroup Consulting, auteur de dizaines de livres, il a notamment publié « La grande séparation »,« L'Occident mondialisé », »,« Le renversement du monde ». Les Anglais ont réagi donc en disant « Il faut rétablir des frontières » et ils nous rappellent cette grande leçon. Un pays qui ne tient pas ses frontières n'est plus un pays souverain. La France est-elle encore souveraine ? L'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne sont-elles encore des États souverains ? Elles ne le sont plus si elles n'ont pas la capacité de dire qui peut résider sur leur sol, qui peut accéder à la nationalité, à quelles conditions et si elles ne fixent pas elles-mêmes librement les conditions de la nationalité. Pourquoi les émigrants n'essaient-ils pas de rejoindre les richissimes monarchies pétrolières du Golfe qui ne sont pas surpeuplées ? Alors, je pense que l'immigration en France est un réel problème, aussi bien en France, et c'est un problème mondial. Je pense franchement que tout ça, c'est une grosse hypocrisie politique, il y a trop d'enjeux politiques et économiques. Je pense que tant qu'il y aura des bombes, il y aura de l'immigration. Tant qu'il y aura du sang qui coule, il y aura des gens qui fuiront leur pays. Et il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi ces pays sont attaqués ? Pourquoi ces immigrants arrivent jusqu'à chez nous ? Et qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Tout le monde sait qu'il y a un enjeu économique avec une signature en secret d'un viaduc qui devrait traverser la Syrie, que ça pose un problème, tout ça, pour qu'on enlève le monopole à Poutine sur le gaz en Europe. Alexandre Delval est politologue, essayiste, auteur des livres, entre autres, « Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde aujourd'hui ?»,« La nouvelle christianophobie » et « Le vrai ennemi de l'Occident ». Il y a une fanatisation islamiste de tous ces pays. La charia est de plus en plus la référence de la loi. Donc les chrétiens sont persécutés par deux voies. Les terroristes, qui sont illégaux, certes, mais aussi les États musulmans, de plus en plus imprégnés de lois chariatiques. Les États musulmans également persécutent de plus en plus les chrétiens. Et ça, c'est la réalité quotidienne des chrétiens dans de nombreux pays musulmans. Dès lors qu'ils sortent du rang, qu'ils osent avouer leur foi ou qu'ils font un peu de prosélytisme, eh bien, ils peuvent être frappés de peine de mort ou d'assassinat. Donc, soit de manière légale, des États qui les assassinent ou qui les mettent en prison à vie, soit des organisations islamiques qui les tuent. Et en général, comme en Égypte, on le voit très souvent, les tueurs de chrétiens sont très souvent relaxés. Ils ne sont pas condamnés par les tribunaux en place. Et c'est vraiment terrible pour les chrétiens d'Orient. Ivan Rioufol est journaliste, éditorialiste au Figaro et essayiste. Auteur de dizaines de livres, il a notamment publié « La fracture identitaire »,« Touche pas à ma France » ou encore « La guerre civile qui vient ». Cette guerre civile s'approche pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on ne veut pas la voir. Ensuite parce qu'il y a une contre-société qui s'est installée dans les cités d'immigration. La pire des solutions, ce serait pour éviter cette guerre civile, de baisser les bras. Car si nous baissons les bras, nous nous islamisons et la guerre civile viendra malgré tout, car dans ce cas-là, cette idéologie totalitaire ne supporte pas l'altérité. Donc la solution, c'est d'engager l'épreuve de force. Mais quand je parle d'épreuve de force, je ne parle pas d'épreuve de force militaire. Je veux dire là l'épreuve de force verbale, juridique, légale. Il faut que l'État accepte d'imposer ses règles aux minorités. Comme jadis en Europe de l'Est, avant la chute du mur, une forme de dissidence se met en place aujourd'hui en France. Je ne sais pas quelle était la vie du dissident dans les pays de l'Est, mais en tout cas en France, en effet, il est difficile de s'exprimer si l'on n'est pas dans la doxa, dans le politiquement correct, dans le discours conformiste. Donc les dissidents, ils se voient chez ces journalistes qui sont devenus les porte-parole de cette France silencieuse. Et ces journalistes-là
sont assez peu nombreux, et j'en fais partie. L'ennemi, la définition d'un ennemi, c'est celui qui vient atteindre à notre population, à notre territoire et à notre gouvernement. Celui qui vient attaquer nos institutions, notre mode de vie, qui vient nous attaquer sur notre sol, dans nos institutions et dans nos valeurs fondamentales. Ça, c'est un ennemi. Donc, la Russie, aujourd'hui, n'attaque pas les valeurs fondamentales de la France, elle n'attaque pas le territoire de la France et elle ne cherche pas à fanatiser les populations vivant en France contre leurs institutions. Ce n'est pas un ennemi, tout simplement. La Russie, c'est une autre Europe. La Russie fournit une alternative à l'existence humaine. Les tentatives de séparer la Russie de l'Europe sont mal intentionnées. Et ce n'est pas innocent, parce que quand on pense que les ressources européennes pourraient s'unir aux ressources russes, et non seulement les matières premières, mais aussi les ressources intellectuelles, la culture, alors on peut se poser la question, que fait l'Amérique en Europe? En ce sens, l'Europe peut survivre seulement dans une union stratégique avec la Russie. Tout d'abord, il faut comprendre que la Russie, elle fait partie de l'Europe. Bien sûr, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle n'a d'ailleurs jamais voulu faire partie de l'Union européenne. Mais elle fait partie intégrante de l'Europe. Quand vous allez à Moscou, quand vous allez à Saint-Pétersbourg, vous êtes dans une ville européenne. C'est tout à fait évident. L'Union européenne, d'une certaine manière dépendante pour la technologie, parce qu'aujourd'hui, eh bien, si vous voulez, à Kourou, dans la Guyane française, là où il y a le centre de lancement de Kourou, eh bien on lance non seulement des fusées Ariane, qui sont construites dans les pays de l'Union européenne, mais on lance aussi des fusées russes, puisqu'il y a un accord entre la France et la Russie pour lancer des fusées russes, et ces fusées russes, elles emportent très souvent des satellites européens. Vladimir Federovsky est un ex-diplomate considéré comme l'inspirateur de la perestroïka. Écrivain russe le plus édité en France, il est l'auteur de plusieurs romans à succès et a été distingué de plusieurs prix littéraires. Je suis partisan vraiment de dialogue à la base très saine, mais bien défini autour de ça. Prendre en compte les intérêts nationaux, ne pas diaboliser la Russie, éviter ça et comprendre que le peuple russe, sur le plan civilisationnel, c'est plutôt l'allié de l'Occident dans cette guerre qui s'annonce longue et difficile, notamment contre l'islamisme, etc. La rupture historique inventée que la Russie, dans le contexte surtout de maintenant, quand il y a cette menace islamiste qui nous guette à chaque instant, inventer un nouvel ennemi comme peuple russe, c'est amoral, mais c'est bête, c'est une bêtise. Alors, il est clair aujourd'hui que l'Europe est profondément divisée. Elle n'est pas simplement divisée entre une Europe du Nord et une Europe du Sud, cette division existe, c'est tout à fait évident, mais elle est aussi divisée entre une Europe de l'Atlantique et une Europe de l'Est. Mais je ne suis pas sûr, moi, que les peuples aient envie de déconstruire l'Europe. Dans un monde idéal, il faudrait faire une citoyenneté européenne et faire un gouvernement européen au suffrage universel direct, un Parlement européen au suffrage universel direct et des politiques européennes peut-être plus visibles. C'est le nouveau totalitarisme de l'économie qui dit que l'économie doit mener le monde. C'est ce totalitarisme qui dit que face à l'économie et aux droits de l'individu qui en est l'expression et la condition, tout doit plier. Les traditions, les croyances, les mœurs, la civilisation, les cultures, tout cela doit être aboli au profit de l'avènement de l'individu de droit, ce monstre hors sol, né de nulle part, venu de nulle part et qui ne va nulle part. Le projet européen tel qu'il est épuisé. On peut même dire qu'il est mort-né. Il est mort-né d'une mort naturelle, car tout ce qu'on nous présente comme Union européenne et unification de l'Europe n'est rien d'autre qu'un moyen qui permet la réalisation des intérêts des élites transnationales. L'Europe doit non seulement représenter les intérêts de la finance, mais aussi les intérêts des citoyens. Quelle pourrait être l'Union européenne de demain ? Dans mon idée d'Union européenne, il y a quelqu'un qui est habitué à voyager, qui n'a pas peur de s'intégrer ailleurs. Pour quelques ans ou pour toujours, on ne sait pas, mais qui en même temps, il garde ses origines, qu'il garde sa culture et ses traditions.
L'avenir, l'Europe ne se sauvera d'elle-même que si elle se réveille. Pour l'instant, l'Europe est dans une grande somnolence. Alors, moi, je pense qu'il faut une Europe des nations, parce que la richesse, la diversité des nations, c'est quelque chose qu'on ne doit pas nier. Mon rêve, c'est qu'on se débarrasse de cette oligarchie qui est complètement hors sol, qui nous persécute, et donc qu'on retrouve nos racines européennes et françaises. Moi, aujourd'hui, j'imagine l'Europe, on pourrait continuer ce qu'on a fait, qu'on pourrait se déplacer librement, on pourrait travailler librement, on pourrait étudier librement. Moi, je rêve que les enfants d'aujourd'hui aient un avenir. Pour avoir un avenir, il faut du travail. Pour avoir du travail, il faut qu'économiquement, chaque pays se redresse. Et il faut ici insister sur le fait que l'Europe n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne est une forme d'institution qui regroupe un certain nombre de pays, mais qui n'englobe pas la totalité des pays d'Europe. D'ailleurs, il y a des pays qui sont en Europe et qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il y a la Norvège, il y a la Suisse, etc. Mais si on veut avoir une Union, une Europe qui fonctionne réellement, eh bien là, il faut reconnaître le droit des nations, il faut reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et on ne pourra reconstituer, je pense, cette amitié entre les peuples européens qui partagent tant de choses. Si on veut revenir à cette idée d'Europe au-delà de l'Union européenne, il est absolument impératif que l'on comprenne que la souveraineté des États ne peut être négociée. Être européen aujourd'hui, c'est être de civilisation européenne. Et l'Europe, ce n'est pas l'organisation de Bruxelles, ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas une banque centrale, ce n'est pas un espace mondialisé, sans frontières. L'Europe, ce n'est pas le monde africain, ce n'est pas non plus une terre d'islam. L'Europe, ce n'est ni la laideur, ni le nonard. L'Europe, c'est le continent des Européens. L'Europe, c'est la civilisation européenne. L'Europe, ce sont des millénaires d'histoire. 700 millions d'Européens. L'Europe, c'est une identité. La civilisation européenne et chrétienne. L'Europe, ce sont les temples grecs, les aqueducs et les théâtres romains, les chapelles romanes, les cathédrales gothiques, les palais Renaissance, les grandes places, les béguinages, les églises baroques, les châteaux classiques, les édifices Art Nouveau. L'Europe, ce sont des rivages sauvages, des montagnes majestueuses, des fleuves paisibles. L'Europe, c'est le sentiment de la nature. L'Europe, ce sont des paysages jardinés par l'homme, des bocages aux polders, des prairies aux cultures en terrasse. L'Europe, c'est le terroir du pommier et de l'olivier, de la vigne et du houblon. L'Europe, ce sont les héros qui l'ont défendue au cours des siècles. C'est Léonidas et ses 300 Spartiates sauvant la Grèce de l'Asie. C'est Scipion l'Africain, préservant Rome de Carthage. C'est Charles Martel repoussant l'invasion arabe. C'est Godefroy de Bouillon délivrant les lieux saints et fondant le royaume franc de Jérusalem. C'est Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique libérant Grenade. C'est Ivan le Terrible éloignant les Mongols de la Sainte-Russie. C'est Don Juan d'Autriche victorieux des Turcs alépantes. L'Europe, ce sont les hauts lieux. C'est le Parthénon, la place Saint-Marc, Saint-Pierre de Rome, la tour de Belém, Saint-Jacques de Compostelle, le mont Saint-Michel, la tour de Londres, la porte de Brandebourg, les tours du Kremlin. Aujourd'hui, l'Europe est l'homme malade du monde. Elle est culpabilisée, colonisée, affaiblie. Ce n'est ni fatal, ni durable. Arrêtons la repentance. Retrouvons le fil de la longue mémoire. Écoutons le message d'espoir de Dominique Vénère. Je le cite. Je crois aux qualités spécifiques des Européens qui sont provisoirement en dormition. Je crois à leur individualité agissante, à leur inventivité et au réveil de leur énergie. Le réveil viendra quand ? Je l'ignore. Mais de ce réveil, je ne doute pas.